Back to business avec notre ami Divinity. Nous allons donc poursuivre. Ah, tout ça, on s'en fout, hein. Ok, bon, on va aller peut-être faire le. Tac tac tac, c'était où? C'était par là, le truc de. Putain, c'était où? C'était là. Essayer de faire ce petit donjon là. Puisque j'ai une petite piste. Hop là. Allez les gars. Tous mes bonhommes étaient en forme, je les ai tous soignés à fond, à fond, à fond, à fond. Ça arrive, ça arrive, ça arrive. C'est long, c'est long, mais ça arrive. Voilà. Descendons ici. Juste prendre note. Donc là, c'est hop là, terre, eau, air, feu. Ok. Très bien, on va remonter dans l'autre. Allez, de l'autre côté, pouf. Puis après, il faudra qu'on change de coin parce que j'en ai ras-le-bol de cette pluie. J'ai déjà vachement ici. Hop là, attends, là. C'est au. Terre, air, feu aussi. Ok. Donc là, c'est terre. Alors. Terre. Oh. Air. Et feu. Ok, on va essayer de retourner là-bas. Théoriquement, ça a enclenché un truc. Ok, retournons là-bas. Pouf. Ah ah! Ok. Oh là, envoûtement lui. Merde. Cinquante pour cent. Trop loin, ah merde.
Toi, est-ce que tu soignes des envoûtements? Hémorragie, handicap et maladie. Araignée. Congélation. Très bien ça. Et hop là! Superbe! Non, pas ça. Et voilà. Aïe 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 aïe. Ursuline, non, non. Ursuline. Superbe. Faiblesse. Superbe. Ok. Aïe 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 aïe. Super. Ah, chiotte. Eh ben, toi, tu vas te soigner toi-même. Et merde, il est plus congelé lui. Ok. Ah mais trop bien. Superbe. Ah. Fait du bien ça. Paf. Superbe. Et là, paf. Ah, bah superbe. Just a heads up, but I found myself on the receiving side of a spot of friendly fire during that last encounter. Well, maybe that wouldn't happen if you wouldn't keep strutting about the battlefield like a barn-sized bullseye. I think it's your aim rather than my frame that begs improvement. Ok. Par contre, je vais me soigner. Alors, là, il faut que je fasse eau. Elle ressemble à ça, l'eau. Terre. Donc, tac. Terre. Ah.
Ok. Ah. Il y a un truc là. J'ai un petit. Ouais, je vais peut-être avoir un petit combat là encore. Non. Descends de... Ah merde! Ah, je crois que j'ai oublié un truc là-haut. Ah, je crois que j'aurais dû fouiller le corps. Ok. Explosive. Oh, un pan d'antifrons. Alors, je vais juste envoyer la petite grenade. L'envoyer à Germain parce qu'il est bon à ça. Ok, donc là maintenant j'ai tout. Tac 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 tac. Je vais aller là. Ah, faut que je soigne Germain encore. Quasiment full life. Interesting markings. It looks like a circular object might fit here. Ah merde. Ok, bon, bah on va retourner là-haut. Voilà, il va falloir faire des allers-retours à la con. Ça peut être drôle.
Ok. Donc là maintenant, on va pouvoir remonter là. Et grimper. Alors. Et là maintenant, on retourne ici. Putain, j'ai perdu. Allez là. Tac. Oh la vache. Ok, ça commence. Oh, chose grave ça. Ok. 32%. Putain, presque. Ok, ça absorbe. Hello, guy. Congélation. Ciblé trop loin. Hop là. Boing. Trop bien. Tac. C'est bloqué. Pas grave. Cible est bloquée. Ah, fait chier. Pas grave. Cent pour cent. Paf, 15% absorbé. Ah, mais t'as encore un coup. Vas-y, hein. Paf. Essayez de s'approcher un peu. Tac, faire ça. Voilà, très bien. Superbe. Congélation, bah superbe. Paf, c'est la chute. Ok, superbe. Non!
superbe. Très absorbé. Dommage. Et voilà. Alors, on va reprendre Ursine, pardon. Pouf. Sur moyenne de soins. Très bien ça. Ah bah tiens, il y a des trucs qui... Cool là. Hop là. What? Ah. Ah tiens, c'est marrant ça. I don't have the right tool for mining. I don't have the right tool for mining. I don't have the right tool for mining. Ok, alors, avancer jusque là. Ok, trop bien, ah, trop bien. Ici. Hop là. Oh là là, que d'or. Ah. Ouh. Charon, s'il te plaît. Jaron, s'il te plaît. Or et or. Et là-dedans, qu'y a-t-il? Oh, chemin de résurrection. Germain, de l'or. Jaron, s'il te plaît. Et Jaron, s'il te plaît encore. Hop là. Après, qu'est-ce qu'on a là? Oh, de l'or, j'ai triche. Trop bien. Pour acheter du stuff de ouf. Donc là, oh, œil de faucon, tireur d'élite, ah ça je prends ça. On verra, ok. Y en a-t-il d'autres? Ouais, y en a d'autres là. Or. Oh, fortification. Ou vous-même. Ah, pas mal ça. Géomancien novice. Ok, cool. Alors Jaron, toi t'as un peu de taf. Identifié.
14 PV. Incassable, oh. C'est quoi ça? Côte de maille. Ok. 0,4 de déplacement et 1 de PV. Ah, ça c'est vachement mieux. Toi là, t'as plus 5 d'initiative là-dessus. Plus 12 PV incassable. On va l'envoyer à Germain. Hop là. Ça là. 11 de résistance au feu. Toi là. Ah. Ah merde, niveau de force insuffisant. Ah oui. Par contre, celui-là, je peux 30. Voilà. Ah oui, alors ça, à prendre. Merde. Ah, j'ai besoin d'un niveau 6. Et toi, ah tiens, toi t'as pris un peu. Ok. Statut fortification. Bon, j'ai besoin de géomancie. Toi, t'es géomancien. Apprendre. Voilà. Ça, c'est pas mal ça. Hop là. Tout soigné. Quasi. Bon, y a-t-il d'autres choses par là? Ah, des amanissa, à mon avis, on peut faire du... Tense dugong, you nearly startled me out of my boots. Well, you've got my tip. Tac. Hop là. Bon bah très bien, on peut pas partir par là-haut, non. Très bien, bon bah on va ressortir par là. C'est pas mal.
Mystérieux adversaire. Hop là. Il me reste combien de points? Ah ouais, il me reste encore un sacré nombre de points avant. Ok. Je suis loin du portail ou pas? Bon allez, je vais retourner là. Ah, ça y est, j'ai accompli celui-là. Ok. Were just telling me how they proudly vanquished the undead near the lighthouse. Mais oui, ils étaient très très Did you forts. get to witness my valiant soldiers in action? Yep, quite the pair of heroes you have there. Bravest guards we've met, like lions. Yes, I bet legionnaires can impress even source hunters. Now, as for my two braves here, you shall prepare to leave Sicile post haste. You're going home, as is your just reward. Cool. Thank you, Lieutenant. All in the day's work. Très bien ça. Ah bah si. Source hunter. A sight for sore eyes, if ever there was one. Ok, bon, elle a des choses, elle a des choses. Probably knee deep in that awful murder investigation, but truth be told, the Legion could use your help as well. We've been conducting a series of expeditions into undead territory, and I'm afraid I must admit they've met with very little success. Lieutenant Selenia, at your service. I'm Captain Aureus's second in command, but rest assured, I am a lot more kindly inclined towards source hunters than he is. Okay, cool. Now, I certainly don't mind a bit of healthy competition, and even rivalry between our orders, but I for one have no intention of looking a gift horse in the mouth. And that is exactly what your presence in Sicile is, Source Hunter. A gift and a blessing. Only heroes such as yourself can make a true difference in this troubled part of the world. Such is my honest conviction. Okay. The undead. I pitied them at first. Many among them were once kind and innocent civilians of Sicile after all. No longer do I feel that way though. Too many of my soldiers have fallen. The dead must be put down without mercy, if we can.
The bravest among my men, and women tell me they are weaker in the west and stronger in the east. So I suggest you head westward if you want to flex your muscles and test the waters before blindly diving to your death. I shall be very glad to share what information I can give you. If ever we want to be victorious in Sisil, we have to track down the root of the undead uprising. Under the Pact of Volunteers, 3 expeditions were launched to do just that. But so far, none of their participants have returned. 3 landmarks were chosen for further investigation. The lighthouse, the burial mounds, and the old church. Places fraught with danger all. We lost another 4 brave souls. But I'm so very happy for the 2 that did make it back. They've truly earned their ticket home. There are ancient burial grounds to be found north of the city. As good a place as any to start looking for necromancers, wouldn't you say? A local archaeologist offered to tag along with the men. Here's hope my legionnaires. They all perished? How fate has treated them wantonly. And if it weren't for you, the archaeologist would surely have died as well. He has much to be thankful for. Were that I had. There's a church to the northeast of here, built atop the very place where once stood a temple dedicated to the source. The Sicilians raised it, and built a church for the 7 instead, supposedly to symbolize the victory of the gods over evil sorcery. All superstitious mumbo-jumbo, if you ask me. But when the dead rose, that is when they were first spotted. Hence the expedition. For 2 years, all news has been bad news, and clearly nothing has changed. More dead, more undead, and more letters to write home to grieving widows and widowers. Still, I thank you for telling me, Source Hunter. Knowledge is better than uncertainty. So I did. The Pact of Volunteers. Many legionnaires will do whatever it takes to go home, which is why I personally sign their transfer orders the moment they make it back from a mission behind enemy lines. The chances of survival during these sorties are only about 1 in 10, you see. So my soldiers are free to volunteer, and if they are successful, they just bought themselves a boat ride home. Ok. Putain, là j'ai dû... Ah ouais. Cool. Est-ce que... Attends. Ouais, mais celle-là, elle est bien celle-là en fait. Merde. Non, attends, terminé. Attends, Jaron, qu'est-ce que tu me fais là? Tenez une 32. Soit elle est abîmée, mais. On va réparer tout ça. Ok. Ça, les bottes de Jaron. Armure de Madora. Fine armure de cuir. Hop là. Tout ça, ça dégage.
Non! Quel con, j'ai pas mis d'argent. Chiotte. Bon, ça m'apprendra. Ah, ça fait chier quand même. Ah, je vais quand même recharger, je sais pas où j'en étais. Ah merde! Ah non, mais j'avais déjà tout pris en fait. Attends. Oui. Ok. Bon ben. Ok, bon bah. Ah, fait chier. Bon, là, ça faisait beaucoup d'argent quand même. Je veux bien être sympa, mais. Hop là. Oui, superbe. Tac. Bon. On va revenir là. Hop là. Ok. Voilà, on va sauvegarder là. Nanani, bon là on va passer vite. Nanana, ça j'ai fait, ok. Terminé, ok. On va rechoper du... Tac, parlons des morts vivants, ok. Ok, un peu du phare à propos du Putumulus. Parlons de la vieille église. Parler d'un pacte, machin. Ok, donc là on re-sauvegarde. Je vais prendre Jean. Je vais lui parler. Je vais commercer. Zou. 44, non. Fine armure, on dit oui. Ça, on dit oui. Ça, j'ai presque... Bon, 172, ça c'est quoi? Putain, celui-là il est bien. Hein. Hop. Ah. Il est limité. Par contre. Ok. Bon, bah on va mettre 172 balles. Hop là. Ok, sable. Ok. Ensuite. Ah merde. Madora sur celui-là, bon, ça va encore.
tout réparer. Coûte rien. Est-ce que toi t'avais des trucs à vendre? Si? Oh merde. Madora. Ça se vend, des chaussures à neuf qui ne servent à rien. Là, on va mettre à... Douze. Let's go. Ursuline. Par type. Ah. Oui bien. Ah tiens. Onze et onze. Ouais, bah. Neuf, hop là. Je regarde ça. Chaudron. Hop là, 167. Let's go. Alors toi, est-ce que t'as des trucs à réparer? Oh là, oui. Ça, on va le réparer. Ça, on le répare. Ah merde, j'aurais pas dû le... Incassable, ça c'est trop bien ça. Incassable. Incassable, putain, elle est full incassable. Bon, ça c'était pas... Putain, c'est trop fort. Alors, est-ce que toi t'as des trucs à vendre? Vieille lance à deux mains. Zéan. Ok. Je vais te faire un petit cadeau. Ok, alors par contre, il me semble que j'ai vu des trucs genre... 11... Ouais, non, ok. Ah, ça, j'aurais pu les vendre. Ok. Classé par type. Oh. Baston.
Je vais l'envoyer à Germain, ça. Putain, mais j'ai des trucs de ouf. Ça, je peux virer ça. Oui, c'était ça. Là, je peux l'envoyer à Madora. Ce sera légèrement plus efficace, mais pas non plus de ouf. C'est dommage si on n'a pas un truc genre marqué à vendre. Bon alors, Madora, toi tu vas retourner vendre des trucs. Genre ça, ces bottes là. Et ce truc là, j'ai déjà gagné 50. Puis toi, Ursuline. Ok. Vieille botte pourrite là. Je vais peut-être les garder quand même. Peut-être des huettes, ça on peut virer. Si on peut virer. C'est là. Ce qui est dommage, c'est le coût en déplacement. Après, comme il attaque de plus loin, il faudrait peut-être que j'essaye quand même. Et plus de dégâts quand même. Ah, et puis il coûte en PA vachement plus. Ah, allez. Restons comme ça. Tac. Et on va regarder Germain du coup. Germain, parce que là du coup lui il a des épées de ouf. Type. Toi là. Oh putain. Bon, alors là, Peter Lee, quand même, il a deux d'initiative, de la vitesse, il est incassable. Ça, c'est clair que c'est pas mal. Ceci, on pourra la dégager. Et puis ça. Ouais, il a des chances d'appliquer. Wow. Et celui-là, il est un peu moins bien. Celui-là, là. Plus 1 de force. Plus 1 en mettre des boucliers. De chance d'appliquer le statut renversement. Ah, oh, ça c'est... Ah, j'ai envie d'essayer. Attends, c'est un bâton une main. Ouais, c'est à une main, donc je garde le bouclier en plus. Ouah, ça va être trop fort. Celui-là, je peux le virer. Ah, par contre, ah putain, il nécessite vachement moins pour attaquer en plus.
Divines doubly bless you, friend. T'inquiète. Hop là, un peu de bourreau désuète. Et celui-là qui est... qui est pas dingue. Hein. Ah. Attends. Attends. Attends, Germain. Ursuline. Hop là. Ursuline a du troc. Donc Ursuline peut arnaquer. ...53 déjà. C'est... léger. Mais c'est mieux que rien. Moi je l'ai pillé là. Ok. Et toi Ursuline, est-ce que je tente avec... Ah oui, mais non, je lui dis que non. Ok. J'essaierai bien de... d'aller au... embêter du troll, enfin du... de l'orque. Oups. Bon. Le port. Still thinking about exploring the beach? You're free to go, though we legionnaires are under strict orders never to abandon our posts, so we won't be able to back you. You can see security's tighter than ever around here since that surprise attack the Orcs put on a fortnight ago. They did enough damage to shake up Ahu and Captain Aurea something fierce. We can only hope to hold back the undead and these left-field orc attacks long enough for reinforcements to arrive. The gate is unlocked. As source hunters, you're free to come and go as you please. Okay. Ouais, je... ouais, non. Ok. Ouais. J'avais déjà fait tout ça, a priori. Et niveau 6. Away with your weapons. Away. Leave our bullet.
Non, t'as rien. I don't want to fight. I ain't after no fancy stone. I just want to bury these bodies the traditional way. It's the least I could do for my dear brother Oggy. Oh, he was such a dear lad he was. We wanted to see the world, but we saw next to nothing before he was called to serve the old mother in the afterlife. In our village, oh, poor Oggy will never see her again. Tradition goes that a warrior should be buried with his best armor so he can defend himself in the afterlife. Don't play dumb with me, small bones. You know as well as I that your little shitty won't be rid of us orcs till my kind gets that fancy schmancy bloodstone you got in yonder cove. In our own town, we honored the dead by decorating their graves with whatever materials we have. In this case, it's wood. They look rather fetching, don't they? Oggy be proud. Ça peut être rigolo. Un orque mort. Oh, shit. Bah, j'ai pas hyper envie de le tuer, ce petit orque. Ok. Petite potion de soin. Et là, le décrochet. Bon. Je sais pas si j'en suis très très fier. D'avoir pété. Ouais, non, je vais recharger parce que ça me... Pas envie de le tabasser. Lui. Ah putain. Non. Mais fuite, je savais qu'il y avait un truc par là, mais je me souvenais plus. Bon, je vais juste
éponger mes conneries, je reviens. Bon, heureusement l'ordinateur est waterproof. Alors, ce qui est chiant, c'est que là il y a des pièges. Donc on va. Ah putain! Tout là, ici, là, j'avais déjà tout saucé ici. Ah! De l'or, bah, très bien ça. Niveau 6. Sûrement chier quand même, hein. Niveau 7, niveau 6. On n'a pas plus, hein? Je crains qu'il y en ait plus. Trop loin, chier. %29 de chance. Ah, cool, rapproche-toi. Avance. Ah. Ah merde. Bon, ok. Très bien. Oh non, ils ont peur. Oh non. Ursuline.
Ah zut. Oh non. Ah zut. Pff, ah ouais, mais là, c'est chaud. Oh la vache. Ouais. Retour. Oh la vache. Non mais je crois que je vais... Je crois que je vais juste... J'allais au bout du combat pour rigoler mais... Je crois que je suis quand même bien bien mort quoi. Je crois que ça s'oriente vers un game over. Voilà, ouais, faut se le dire. Voilà. Je me fais mais défoncer. Ok, je crois qu'on va pas aller là. Qu'on ne va pas aller là. Putain mais y a pas un autre chemin là. Putain. En fait, je pense qu'il me manque pas grand chose pour. Je pense qu'il ne me manque pas grand chose. Ok, bon bah on va... Ok les gars, on va retourner là. On va pas non plus... On va retourner... On va retourner par là, il y avait des choses qu'on n'avait pas vues je crois. Tout là-haut. Je crois que tout là-haut. Ouais, voilà par là. Après qu'on arrive à... Ah ben voilà.
Sanctuaire de la balise. Plage reculée. Mais très bien, mais par là il doit y avoir des choses. Ouais, pour accéder à la grotte étrange, le problème c'est qu'il faut que. Attends, faut que je passe par où là? Ouais, peut-être que je remonte par là. Ah! Tiens donc. Coffre quoi? Coffre décoré. Ah! Ah, très bien ça. Oula. Ah. Le prix. Ok. Voilà. Paf. Ben voilà. Non mais oh. Attends. Je sauvegarde. Et là, ça tombe jamais. Ah, oh. Jaran. Jaran. Ça, je prends. Et ça, aiguille, ça, je prends. Ok. Ok. Jaran, s'il te plaît. Identifie-moi ça. C'est de la merde. Et identifie-moi ça. Dix-sept, puis un scroll. Ouais. Treize. Ok. Ça sera vendu. Ok. Putain. Oh. Mage mort-vivant. Oh non, pas manqué, t'as pas le droit. Plaf. Très bien.
Congélation, ça me va bien, ça. Ah zut. Reporte-moi ça. Boum. Oh merde, il y en a un deuxième. Ok, c'est pas grave. Ok. Ok, là il y a un zombie. Ça c'est pas grave. Merde. Paf. Attends, là, il y a combien là? Superbe. Super ça. Ok, aïe, réussi. Ok, bon, ça le zombie lui il arrivera quand il arrivera. Ok, paf, superbe. Superbe, les deux sont empoisonnés. On peut s'amuser avec une flèche. J'ai niqué un peu mon araignée, mais c'est pas grave.
Toi, boum. Voilà, et puis tu vas... Là, empoisonnement, voilà, très bien. Aïe. Paf, superbe. Ah lui il est pas mort. C'est superbe. Ah. Merde. Ok. C'est bien invisible. OK.
Ok. Ah zut. Ah, super. Superbe. Oh non, pas de l'empoisonnement encore.
Ok, bon. C'est pas pourquoi, mais... J'ai comme l'impression que là-dedans, il y a un truc pas très cool. Et ça se peut que ça vienne de là, nos... Ok, bon bah... Je pense que là c'est la prochaine entrée, je pense que c'est de là que viennent les morts-vivants, j'imagine. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Oh! Tunnel nauséabond. Ok. Sans la baston là-bas. Hein. Ok. Tiens, il y a des petits rats. Ouais, Madara. Toi, t'es dans le dur. Oh. Eux, ils sont bienveillants. Ça, c'est rigolo. Tac. Bon, ça va un tout petit peu mieux. Ok. Juste un farmer down on his luck. The Fabulous Five. They promised me adventure and riches. But what lurks here? It is certain death. They tricked us. We'll never survive. Fabulous, ha! Fabulously lying. Cheating dogs is what they are. They sent me and my mates to this cave to deal with what was supposed to be an erratic little piece of wizardry. But it turns out to be a real killer, a murderous machine. Oh no. What did they expect from us? I never held a sword before in my life. They said they'd be right behind us, show us the ropes. But they never showed, and now look at us. We are either dead or dying. Oh, please, I implore you. If you can, save my friends. They're still there in the dark, desperately trying to make a stand against that beast of steel. Nothing much. He's some kind of wizard, isn't he? All I know is that that monstrosity down there has his signature engraved on it. He's responsible for the madness that haunts this place. And I'll bet he's just as demented as the contraptions he creates. Ok, toi t'as rien. You look like a veteran warrior if ever I saw one. Please, help the others if you can. Ok. C'est quoi là du coup le journal de quête là? Qu'est-ce qu'il nous dit? Ok, bon bah on va...
Mage mort-vivant. Putain, niveau 6. Après, c'est les tout seuls. C'est tout seul, ça peut gérer. Toi là, t'es à full life, quasi full life, quasi full life ici. Allez, je vais remettre un peu de. Voilà. Puis je mettrai aussi à genre 2 points de vie, ça peut sauver hein, 2 points de vie. Chemin de foudre. Toi avec du niveau 6 là, oh j'ai l'impression qu'il y en a plusieurs en plus. Ok les gars. Ouh la vache. Spark Master des rues 9000 là. Ok. Alors, qui est furtive là-dedans? Qui a la furtivité? Toi, t'as la furtivité. Toi tu n'as pas, toi tu n'as pas, toi tu n'as pas. Éventuellement toi. Allez, détache-toi. Allez, cache-toi. Ah merde. Aïe Oh non. Ok. Voilà. Ah t'as 100%. Ah oui mais non. Paf, superbe.
Ah merde. Ah bah toi alors. Paf. Ok, bon bah si on est 6, ça peut le faire. Allez, Visco. Oh la vache! Bah non! Bah non, bah non, bah non, bah non, bah non, bah non, bah non. Ok. Putain. Ok. Non. Vas-y, dissimule-toi. Ah. Bon, vas-y, oh. Voilà. Oh non. Putain. Careful, comrade. I think I sense a sorcerer in yonder shadows. Ok, mais je juste. Okay. Paf, superbe. Voilà. Superbe. Ah, mais attends. Oh non, putain. OK.
J'ai pas un parchemin non plus de... Aïe aïe. Confound it. Merde. Putain de merde. Ouais, je m'expose. Hein. Je m'expose grave. Ok. C'est pas grave. Aïe. Ah. Oui, vas-y. Superbe. My life is ebbing away. Superbe. Très bien.
Aïe. Aïe. Ah, trop bien. Ok, trop bien. Oh la vache. Voilà, superbe. Superbe. Trop bien. Trop bien. Aïe. Ok. Oh non. Aïe. Ok. Aïe.
Aïe, aïe, aïe. Merde! C'est fait empoisonner. God, what a battle that was. I never thought we would make it. And we wouldn't have, if it wasn't for your timely intervention. Can't believe some of us actually made it. Damn, it's good to be alive. Thank you, my friend. We'll head back to Sycile, to the Legion barracks. I, for one, have a few nasty cuts in me. And those Legionnaires will know better than anyone else how to treat combat wounds. Okay. Alors. Holy hellhounds. We were lucky to escape that abomination without being zapped into jerky. I reckon I couldn't have designed a better example of the magical menace myself. And all this from Arhu, our so-called ally. You ask me, we'd all be better off if those wizarding nutters were quarantined on their own little island. Let them blast each other to bits and leave the rest of us in peace. Don't take my hyperbole farther than I intended now. You lot throw plenty of conjuring and dazzle around, yet old Madara is by your side through thick and thin. I don't mean to say that every last magic user is a threat, though my experience has been that the most dangerous offenders have the arcane arts in common. Anyhow, let's not dwell on the particulars now. We've still got quite a job ahead of us. Okay. Indeed, to behold how quickly your powers grow. There is a superhuman quality to your progress that both impresses and pleases me. Do continue to pursue the depths of your potential with relentless resolution. Yes, seek power for power's sake. Forswear the pitfalls of morality. Forswear both good and evil, the promises of duty and ambition. Let power be the end of its own means, and nothing in this world will be able to stand in your way. And there we have it. The weak-mindedness that, like a cancer, eats away at the foundations of strength and dominion.
that devours and grows until it undoes the drive for power completely. Know ye then, weak-minded one, that only if you cast aside all desire and instead focus on the utter mental and physical mastery of supremacy over all, the means as well as the ends will melt into ultimate purpose. This purpose, I have my own. As do you, that much is clear, though perhaps you may as yet be unaware of its true design and composition. So let us continue our journey, for it is in the journey that purpose takes shape. Go forth, ever on, before grinning time turns us into frail, failed fools. Ok. Alors déjà, toi, je crois que c'est toi, Jean, qui a parchemin de résurrection. J'en ai 5. Ah, trop bien. Et voilà. Là, Germain, t'avais tout ton stuff. Ouais, nickel. Bon, par contre. Putain, par contre, ça level up de partout là. Ok. Alors toi, ah je peux en mettre un en plus ici, oula, ouais, alors, toi en fait, est-ce que toi t'as des trucs intéressants, toi t'es un magicien. Force. Soit je vais mettre de ça. Ok, et là, sur les capacités. Non, adresse. Ok, j'ai ça. Ou sinon... pas utiliser les baguettes lui. Je peux lui apprendre la baguette. Hop là. Ah puis j'en ai encore un. Trop bien. Trop bien, trop bien. Bah du coup. Sorcellerie, ça c'est quoi? Ça c'est du feu. Sinon, identification. Ah non, maître du savoir, je peux pas faire. J'aurais bien de la sorcellerie.
Paf. Allez, Madora. Alors, toi, Madora. Initiative et point d'action initié au combat. Ou de la force. Après, y a les défenses qui est pas mal. Après, il y a la constite. Ah! Rajouter de la force. Et là, j'ai 2 points ici. Rester sur de l'arme à deux mains. Ok. Circulation. C'est pas mal. Votre indice d'armure est réduit, mais ça peut être pas mal. Allez, je fais ça, et puis ben, je peux pas mettre plus ici. Ah, disponible 0, merde. Ah. Ça me coûte 2 points. Ça me coûte 2 points de faire ça. Oh, c'est l'arnaque. Si je fais ça. Non mais tant pis, je vais mettre ouais, musculation. Ça me coûte 2 points. Peur, mutisme, envoûtement, étourdissement. C'est pas mal. Allez, va pour ça. Germain. Chance de coup critique. Point d'action initiaux. Là, c'est pas mal. C'est pas mal. Je vais lui mettre un peu de constite parce qu'il se fait quand même pas mal défoncer. Hein. /324.
C'est Ursuline. Toi, je vais te mettre tireur d'élite. Et toi, tu as 2 points. Ça me coûte 2 points. Points, mais on s'en fout. Permet d'apprendre et d'utiliser trois compétences. Que peut-on prendre? Il y a pas mal de trucs. Hein. Godin. Ok. Je fais commandement. Commandement et musculation sinon. Parce que sinon... Termine le nombre de compétences que vous pouvez apprendre et le nombre de points d'action que vous coûte l'utilisation de compétences de tireur d'élite expert. Allez, tireur d'élite expert, tant pis. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, il y a pas mal de trucs là. Ah, du bois murmure. Deg. Tu libres. Joli brassard de cuir, parchemin de foudre, de l'or, bâton d'air, bois de serre, de l'or, choc de bière, parchemin de tonnerre, amplificateur, cèpe.
I mustn't have used it correctly. Bon, je ne sais pas, on va regarder ce que j'ai parce que on va essayer d'identifier le truc. Ah, par contre ça y est, ça je peux l'apprendre, pam, et ça. Oui, Jean, je crois que Jean, il est. Il est au géomancien maintenant. Yes. Et ça. Ah merde. Bref. Identifié par Jean. Ok. Identifié par Jean aussi. Ah, 17. Oh, pas mal. Mais ça, je vais les équiper. Ah, c'est ça que je voulais dire. Ok. It seems we found Charlene's brother, Tom. Poor thing. She'll be devastated. Chemin de secours, guérison de l'empoisonnement. Ouais, bon, ça on peut garder. Pas un problème. Ok. Alors par contre, c'est quoi là qui devait... Aïe 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 aïe. Ah mais je crois qu'on va devoir... Ok. Bon par contre on doit être pas mal... Ah ouais, là. Bon. On va retourner à la ville. En fait, le... Oui. On va retourner à la ville. On va retourner voir le maire. C'était où? C'était là. Hop là. Là, on devrait pas tarder à... pouvoir voir...
Ah. Caserne de la Légion, non, c'est pas ça. Tiens. Est-ce qu'elle a, elle, est-ce qu'elle a quelque chose à nous dire? Non, non. Pardon. Oh, bah si, mais. So good to see you again, Source. They must come from somewhere, from some vile source. I could make a feeble pun about your hunting for said source. Alors. Là, c'est quoi là? My, what a strong and handsome officer you are, kind Septimus. You must have fought many a battle, am I right? In fact. Non, c'est pas ça du coup. Ah, mais ça va être là. Tel de vie, là. Ah. Cécile. What? Oh, it's you. What news? Wait here. I'll get my beekeeper suit. Oh, wait. Oh, yes. The Fabulous Five. I thought you said the treacherous. Well, oh, mon Dieu. They just informed me that they cleared the cave of all undead presence. So I gave them the reward as promised. They just left town. The rest of the world needs saving, too. Oh, they truly are fabulous. That depends. What kind of berries are you interested in? Ah, okay. Library. Yes, yes, you must have a visit. It's the gem of Sycile. Please yourself. Allez. Et par contre, là, faut qu'on rencontre Haru. Et voilà. Ah oui, Haru, 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 Haru. Carte. Ah, elle est à la boutique. Il est à la boutique d'Esmeralda peut-être. Je me souviens plus. C'est de voir. Ouais, ouais, elle est peut-être bien. Non, il est pas là, Haru. Non. Merde. Alors attends, il y avait un autre truc. Donc il y avait. Charlène. Ah, donc ok, donc. Ok, ça faut qu'on retourne là-bas. Je faut qu'on retourne voir Charlène qui doit être par là-bas. Ah ben voilà. Hello again, adventurer. I hope you wiped those muddy boots on your way in. You say you met him. Was he well? Did he look hungry to you? Cold? Was he eating enough vegetables? Did he wash his hands before supper? Oh, please, you must tell me everything you know. Désolé. I suppose we should tell her the truth about her brother.
She'll be devastated, but at least she won't waste her life waiting for a ghost. Yes. It's a bitter truth, but one we can't conscionably keep to ourselves. I can't. That's impossible. You must be mistaken. Tom was a daring boy, but an adroit one too. Check your facts before you spread such horrible lies. Tom's alive. Do you hear me? Okay. Et Haru, alors Haru, il est où déjà? Troupeau, non. Maison du chef cuisinier. Esmeralda. Eh ben je sais plus où il est, le petit Haru. On va check là. Ah ouais, il est peut-être là-bas. Ouais, je sais plus. Non. Haru. Non, il est pas là. Putain, je me souviens plus où il est. C'est la merde. Pour moi, il était. Non, je vais retourner à la mairie. Hein. Parce que je me demande s'il est pas à la mairie. Charlène, non, ok. Putain, il est pas là. Donc, où peut-il être? Ici, peut-être. Alors, ça ne me dit rien. Bah merde alors, où est-ce qu'il se cacherait? Ah, bureau d'Haru. Ah, mais oui, il était à la Légion. D'accord, ok. 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 Qu'il nous fasse quelques explications, le petit Haru. Do you? Come on now, I pulled her off you before she could do any real damage. Any real damage? Are you
joking. I've been mauled. I'll be disfigured for life. Ça s'engueule, hein. Alors, on va aller au bureau de Monsieur Haru. Putain, si je pouvais. Si j'osais. Source Hunter, welcome, welcome. What? I'd never. If you must know, I was merely checking up on Maxine, the mayor's cat. What a delight she is. The temperament of a tiger, the grace of a leopard, and the manners of a lady all rolled into one. A perfect puss, if ever there was one. By all means. Of course. I hope your investigation fares well. I can but piece together what few morsels fell from the grapevine into a rather disappointing meal, I'm afraid. They say a woman arrived in the King Crab Inn sometime after midnight. She retired to a room on the ground floor where she was soon joined by a man who had been nursing the same cup of wine for hours. I say man and woman because both of them were cloaked and recognized by none. About an hour later, another figure arrived, headed for the same room. Soon after, a terrible commotion erupted and the thundering light of magic was witnessed by the few remaining patrons. It took a while for the landlord to pluck up the courage to enter the mystery room. When finally he did, he found Jake there, dead. How and why he came to be there, no one knows. But I had a good look around the scene of the crime before the Legion barred anyone from entering. The traces of magic I felt were vile. Source, no doubt. I myself have none. Even though the rest of the town has already mentally tried and convicted Jake's wife Esmeralda. Now it may well be established that she is in fact the guilty party. I'm not claiming that I'm certain she's innocent, but let's just say that if I really thought this murder case would be so very easily resolved, I wouldn't have sent for source hunters. His body is gone, replaced with that of a sheep. This is all very disconcerting, to say the least. Grave robbery reeks of necromancy. Could Jake have been involved with those that raise the dead? Seems too improbable to be true, but nevertheless, you're onto something, Hunter. Do follow the scent and see where it leads you. I can't say much more, but that the madmen, all the more dangerous to us because of their alliance with what should be a natural enemy. You won't see me teaming up with a terrier in a hurry. But certainly, what would you like to know? Oh, I am but a wizard, a guardian of man and beast, and indeed I am both. Oh, c'est bizarre qu'il puisse pas parler de sa machine. My body, like any other, is bound to temporal decay. But my spirit is a speck of light that shone forth from the eternal sun that is the cosmic soul. My task upon this earth is to protect the heart of nature. The very antithesis of which is the intrigue spun by demons and directors of the dead. Hence my involvement in Sisiel. You see, my one desire is to witness a world in which every mother looks around her and purrs with calm contentment. For she knows that her chicks or children, her cubs or calves, will grow up without knowing the meaning of menace, the enfeeblement of fear. To my great regret, none of them purr as yet. And what might those be? So the Sparkmaster 5000 has been reduced to scrap, has it? A shame, really.
But if your actions saved lives, I suppose you may consider its demise a success. Mm-hmm. Those who are raising the dead dwell among us. They simply must be. But even though I've spent many a night leaping from tree to rooftop, watching on as citizens stagger home from the inn or simply burn the midnight oil, I haven't spied a single soul worthy of true suspicion. The enemy is wily. They know us better than we know them, and they've found ways to avoid both detection and distrust. Yet, I am somehow convinced that you may succeed where the Legion and I have failed. Call it instinct. Bon. Je pense que c'est bon pour le moment. Et toi là, qu'est-ce que tu... Ah mais je l'ai pas... Lui je l'ai pas... Je l'ai pas... Upgrade. Ok. Homme d'armes, ça fait quoi? On s'en fout. %15, c'est pas mal, hein. Monte les chances de coups critiques. Ouais, ouais, mais ça, par contre. Ça, c'est pas mal parce que je me fais pas mal brûler quand même. Sinon, homme d'armes. Allez, musculation, paf. Et puis, peut-être la vitesse quand même. Enfin, la constite, c'est pas mal aussi. Parce que là, pour être tank... Allez, la constite, paf. Toi, pouf. Ouais, c'est pas mal. Toi, t'es à combien? 335, 310, 285. 300. Ouais, c'est pas tant que ça, hein. Ok. Ah
Alors, voyons voir la Légion, la Légion, la Légion. Ils sont là. Divines, doubly bless you, friend. I shall be very glad to share what information by all means. For 2 years, still, we lost another 4 brave souls. My legionnaires, they must come from somewhere, from some vile source. So I did. The chances of survival during these. Ok. Non, mais du coup, on peut peut-être aller. Merde. Je crois que c'est... Non, c'est pas là. C'est là. Pardon. On va voir comment ils s'en sortent là. Je crois que c'est eux, hein. Claudius, Marcius. Ah, je sais pas où ils sont. Back so soon? Can't... Merde, merde. Bah, je sais pas. Bon, de toute façon, je pense qu'on va s'arrêter là parce que c'est. Parce que... Ah, Captain Aureus. Ah, je pourrais peut-être lui demander à lui. Non, mais je vais voir avec Horus là. Puis voilà. Hein. Oh, what now? If you must. Bravo! Figured that one out, did you? I haven't been stuck here for 2 years because we're being besieged by fluffy kittens, you know. Those brain-feasting freaks out there keep on coming. And it takes all the sword arms and all of our Who's half-baked contraptions to keep them at bay. Keeping them at bay, that is all we do. Were that I could break their backs once and for all. What'd you take me for? An ignoramus? That accursed name rings a god's damn carillion. He was the last sorcerer king, a frightful warrior that fell dozens before finally being slain by the army that had risen against him. We may well stand on unholy ground right now, for they say his remains were buried in what is now Sycile, a mad king from Mad City. I'd say they are looking for weak spots in our defenses. They can't make an attack over land for fear of Ahu's magical machines, so they're trying their luck by sea. Okay. They won't succeed, though. Not against the Legion. Yes, and he also spends most of his time in the guise of a cat, licking God's knows which body parts. Sects, sorcerers. He'll be seeing flying carpets next. We are the pride of Rivalon, to be found and to be seen okay, everywhere. Bon. Ciao. Ok, bon bah c'est pas mal. Je sais pas trop encore où faut voir l'expérience d'Arou là, mais mon avis, faut... Sergent instructeur. Donc il devait être quelque part, ça c'est quoi ça? Non. Je sais pas trop. Bon. On va voir ce qu'ils en font.
Ok, pas mal, pas mal, pas mal. Bon, bah, il nous reste encore pas mal de trucs à faire. Là, ce qu'on pourra faire éventuellement la prochaine fois. Là, je reculais, on y a accès? Ah non, pas encore. Hein. Donc là, pour retourner par là. À mon avis, on a pas du tout terminé là. Quoique, il nous manque peut-être juste les orques, hein. La grotte étrange. Là, on a l'air d'avoir à peu près tout fait. On retournera peut-être pour nous en assurer, mais je pense qu'on est pas mal, quoi. Et après, c'est surtout réussir à... Ah tiens, je peux peut-être fabriquer des choses, moi. Pas des recettes avec des flèches. Bon, mais je peux faire ça. Ah, j'ai plus. Des potions. Objet, je peux rien faire. Bref. Ah, ça. Ah, ça je peux l'envoyer peut-être à Madora. Ok, vas-y Madora. Non, Madora c'est là. 13. Bah oui, très bien ça. Déjà on ce truc là. Oh. Bon, il y en a pas 9 PV mais quand même. Ah ah. C'est parfait ça. Hop là. On va sauvegarder ça et puis on va s'arrêter là. Ça fait déjà 3 heures. Nickel.